Yo, salut les gens, c'est Tutankham Fibox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FIFA dans la carrière avec le Stade de Reims que j'ai choisi. Hein. J'ai commencé en Ligue 2 la saison dernière, enfin, la saison dernière dans FIFA, bien sûr. Et là, je me retrouve premier avec 5 points d'avance sur le PSG à 20 matchs joués. Et j'ai le deuxième meilleur buteur, Rémi Houdin, et tandis que c'est Roberto Firmino. Oui, mais seulement. Oui, 385 000 euros, ça va. Regardez un peu mes joueurs. Non, j'ai Gomis, j'ai Kété au fond qu'on va. Non, qu'on va pas sortir. On va peut-être essayer de mettre un petit Diego Rigonato. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est où mon petit Diego? Il est là. Ensuite, un petit Zabona, on va le mettre. À la place de Pablo Chavarria. Mais on va le retransférer ici. Un petit Bakar aussi. Hein. Hop là. Cafaro. Mathieu Cafaro. Ici. Golden Kay. Hop. Puis on va changer un peu le gardien. D'accord, on a Mortensen au gardien, ok. Sauf que moi j'ai demandé Mendy. Rémi Houdin, on va le demander en remplaçant. Métanier, on va le mettre à la place de Julien Jean. Non, de. Hop. Après, on va mettre. Je pense là on peut être bien. Hein. Attends, on va mettre comme ça. Et là, il a une bonne composition pour le match face aux Girondins de Bordeaux. Allez, go les gens. On va se mettre en pro, je pense. Même si la dernière fois, je sais, je vous ai montré une vidéo où je m'étais mis en mode champion. Attendez, excusez-moi, faut que je modifie mes paramètres de jeu. Paramètres, durée des périodes, pro, voilà. Parce que champion, je le sens pas encore trop en carrière. Donc, on va rester en pro pour l'instant, on va voir. Il est pas trop mal alors, mais regardez. Je me suis là. 7 minutes de mi-temps. On est à domicile, on n'a pas le stade Auguste Delaune. On est un peu dégoûté, mais bon. Centre défi technique. Bon, Diego Rigonato, ça devrait aller. Voilà, assez simple le premier centre. Voilà, il va recentrer la tête. Il va déborder, il va recentrer. C'est le gardien qui l'intercepte, bien vu, de leur part. Ça, c'est avant le match, hein, bien sûr. Oh, il est chaud, Costille. C'est Costille. C'est Costille, leur gardien. Ah ouais. Ah, je me rappelais plus. Après, peut-être que c'est pas dans la réalité, mais en tout cas, dans FIFA, les transferts qu'ils ont fait, bah, du coup, Costille, c'est leur gardien. On va finir parce que là on est quand même en bonne voie. Hop, le centre, la tête. Oh! Oh! Zoubida à la reprise de Pablo Chavarria. Bomme la tête de Chavarria. Oh, il a raté le ballon. Oh, le centre de Diego Rigonato. Diego qui va centrer la tête de Gladion Kay. Bien joué, et j'ai plus d'essais. Bon, allez, on va engager le match. Oh, la pelouse en cercle là. Ligue 1 Conforama. Belle pelouse, hein, quand même. Pas la plus belle que j'ai vue, mais regardez, regardez déjà la frappe pour écraser le ballon. Attendez-vous, elle est peut-être pas très bien. J'espère que ça va aller mieux comme ça. Bon, désolé vraiment pour la qualité d'image, hein, mais franchement, je peux pas faire mieux. Alors, comme vous voyez, j'ai récupéré la balle avec Julien Janvier. Christophe Anquet qui est Mathieu Cafaro.
à Bali avec Girorge. Une set d'Alamid, là, Eric Palma, Julien Janvier, Chavaria, Rajan Kay, pour moi toujours, Rémi Houdin. Récupération des Bordelais avec leur gardien Benoît Costille, Girorge, la touche pour le stade pour moi. Oh, j'ai joué 20 matchs et j'ai marqué 69 buts. C'est affiché à l'écran là. C'est la meilleure attaque du championnat. Pas encore la meilleure défense, mais je pense que ça ne saurait tarder à la fin de la saison. Bakar, Grejan Kay. J'ai perdu le ballon. Voilà, allez hop. Tac. L'important c'est surtout de faire beaucoup de passes. Après, si vous arrivez à faire les gestes techniques, moi je sais pas trop comment on les fait, dites-le moi en commentaire. Mais faites beaucoup de passes et appuyez surtout sur la touche de passe en profondeur. Bah, Y pour l'Xbox et pour la PS4, je ne sais plus. Ah, ou enfin PS4 ou PS3, n'importe. Hein, je ne sais plus par contre. Au Cafaro, Rémi Houdin. Voilà. La frappe. Costi qui écarte en corner. Le corner qui va être frappé par NQQ, sauf que moi je vais changer de tireur, je vais mettre. Diego Rigonato, voilà. Hop, le centre en puissance, la tête, et c'est Costi qui dégage du coup. Bakar. La frappe de mon joueur là et corner à nouveau, mais de l'autre côté cette fois-ci. Avec encore le corner de N que je vais changer. Voilà, Diego Rigonato encore. Pour le corner, voilà. Oh, c'est encore Costi. Il m'énerve ce gardien. Vous pouvez pas savoir. Il est tellement fort que c'est. Oh, le centre du pied gauche. De l'extérieur, pied gauche. Ouh là là là. Mais il est très chaud ce gardien. En plus, je me suis mis en mode pro, donc le gardien va être plus compliqué. Bakar, Cafaro, Grejan Kay. Toulalan. Qui s'empare du ballon avec Fofana. Et voilà. Touche de Bakar hein, pour le stade de Reims. J'ai changé vraiment beaucoup l'effectif. Hein. Comme vous pouvez le voir lorsque j'énonce les noms des joueurs. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de changements. Christopher Nkunku. Kay, Oudin. Oudin la frappe. Oudin et Costi l'arrêt encore et toujours. Le tacle de Rémi Oudin un peu raté, mais bon. Merci, hein. Merci pour le corner, hein. Je dis ça, je dis rien. Ça fait un cucu. La tête de Bakar en 6 mètres, quel dommage. La poignée qui va venir chercher peut-être Benoît. 6 arrêts pour Costi, tandis que Benoît Costi. Hein. Et tandis que mon gardien en a fait 0, puisque forcément ils ont 0 frappe. Ils ont 0 frappe. 0 arrêt à faire, donc 0 arrêt. Mathieu Cafarou là. Rémi Houdin. Bakar la frappe. Et c'est en corner. Je suis deg, je suis deg, je suis deg. Oh, penalty. 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 Non. Oh non. Aïe 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 aïe. Oh, le penalty raté là. Je suis dégoûté. Il est juste à côté. Je suis dégoûté. Je suis grave deg. Grave, grave deg, les gens. Avec Grejan Kay là. Ça m'est jamais arrivé de rater un penalty. Enfin, en tout cas, pas sans cadrer. Ça m'est déjà arrivé que, bah, notamment dans les dernières vidéos, de rater un penalty comme le gardien l'arrête. Mais ça m'est jamais arrivé de ne pas cadrer un penalty. Enfin, on me dirait pour une première fois tout. Oh, Mathieu Cafaro et Rémi Houdin. Ouh, la frappe lointaine là. Oh, aïe aïe aïe. Oh, la boulette canon que j'ai mis. Oh, je m'y attendais pas celle-là. On va le revoir là.
Bah, mais la para du bout du gant. Des Benoît Costil. Diego Rigonato là, le 130 puissance. Et ce gardien, toujours encore, qui m'énerve. Qui m'énerve, je le veux. Je dois vérifier que je le veux. Dans FIFA 15 sur Wii, en fait, j'ai remarqué les gardiens, ils sont grave chauds quand c'est pas moi qui les ai. Mais quand tu sors avec moi, après, ils deviennent grave nuls. Une fois, j'avais un gardien de génération 60. Là, le gardien du stade de Sébastien, là, l'ancien, là, grave, très ancien. Je l'ai mis un petit peu, il face au PSG, il a fait tous les arrêts. Match d'après, face à Metz, j'ai mis Placide. Oh, et Placide n'a fait aucun arrêt. J'ai remis Bastien parce qu'il n'a encaissé que 3 buts dans toute la saison. Que Placide, enfin dans tout le reste de la saison, que Placide en 10 matchs, il en avait encaissé 7. Donc c'est dire que voilà quoi. Et encore, il y avait des matchs où il a pas encaissé de but. Ça sert à rien en fait de se fier au général dans les FIFA sur. Après sur Xbox, je dis pas, mais bon. En général, ça fait pas tout, c'est votre talent à vous. Ouais, non, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Édouard Mendy qui va se dégager là. Voilà. Ah, dommage, bien joué. Bien joué les Bordelais là. Il va transmettre à... Oh non, interception, mais je réintercepte ce ballon avec Cafaro. Diego Rigonato dans la profondeur là. Oh, il est là. Oh, il était présent là. Allez, on va faire monter le gardien pour le plaisir de vous, les visionneurs, les abonnés, les likers. Et si je marque, faites-moi péter cette barre de pouces bleus. Faites-la moi péter et faites-moi péter les visionnages et les abonnements. Oh non, j'ai failli marquer! Oh là là, les gens, je suis des... Oh là là. Mais non, mais non, mais non. Eh non, mais si j'aurais marqué là, je vous promets, j'aurais explosé. J'aurais même peut-être montré ma tête sans le voir. Non! Égalisation, bien vu, mais c'est... Je suis dégoûtée. Money, 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 money. Allez, on accélère. Allez, on accélère le rythme de jeu. Bam, tranquillement. Allez, oh le... Allez, on perd pas la face au Bordelais, on essaye même d'en remettre un avant la pause, hein, les gens. Allez. Les gars, les petits gars, les petits gars, les petits gars. En tout cas, si vous voulez voir un bon youtubeur sur Fortnite, allez voir Seynor9, c'est un très bon youtubeur. Et voilà, je mets Billy Kité au fond fond qui va faire la magie. Vous allez voir. Je vais frapper, ça va rentrer. Meilleur que Metroglou. Je vous promets, meilleur que Metroglou. Dans FIFA en tout cas. Metroglou. Bam. Bam. Tac.
Regardez-moi ça, qui était au fond. Bon, d'accord, pour ça, faut qu'il aille à la frappe. Hein, mais... S'il est à la frappe, vous allez voir, c'est la magie. La magie va opérer. D'accord. Malcolm. Oui, une petite glissade. Toi, tu tentes pas des trucs trop bizarres, ok? Parce que sinon, je te connais, tu vas vouloir aller frapper, ça va pas rentrer, tu vas crier, tu vas t'énerver, ça va partir en cacahuète. Maintenant, tu vas me donner le ballon à Kété au fond fun, ok? Diallo, sur le départ. D'accord, sauf que Diallo, moi, j'ai pas de Diallo. J'ai pas de Diallo à ma connaissance. Parce qu'il me sort là. Oh, et Dormindi, et Dormindi, et Dormindi, et Dormindi. Oui, bien vu. Allez, le contre. La contre-attaque. Allez, Kétoffoufone. Il passe avec Rémi Houdin, qui lui remet. Il la met à Bakar. Bakar qui perd le ballon. Il est dégoûté. Il va jouer. Attention. Bam. Un coco. Un coco. Bam. Tranquille. Ouh là 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 là, elle l'a gagné. Allez, il reste une demi-heure de jeu. Enfin, une demi-heure de jeu. Une fausse demi-heure. Je dirais, il reste en gros 6 ou 5, 6 bonnes minutes. Réel. Allez, on y croit. Faut qu'on en remette un. Et on est tranquille. Coupe nationale. Bourg-en-Bresse face à le. Ouais, ok, prochaine rencontre, c'est les Bordelais là qui vont recevoir Brest pour la Coupe de France. Dans FIFA, bien sûr, toujours. Hein. Bon, puis j'attends un commentaire pour savoir ce que vous voulez que je fasse comme vidéo, si vous voulez que je en fasse sur Dragon Ball. Sur Lego Star Wars d'ailleurs, si vous voulez, je vous en ferai une, mais il faudra que vous m'expliquiez comment passer le niveau où je suis. J'en ferai une peut-être si vous voulez toujours hein, sur Rim pour vous montrer un peu le jeu. Je peux faire des tutos Fortnite. Bah, après, pas des tutos trop galères aussi, parce que moi, je suis pas non plus un pro de Fortnite. La frappe de Kéteo! Contrée par le défenseur, contrée. NQQ, le centre, la tête et... Dommage, 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 dommage. Alors, on a qui en défenseur, là? On va mettre... Allez, on va mettre Lunt ici. Et plutôt que... Là, on va mettre... Traoré. Bon, voilà. Là, on est pas mal. On est pas mal. Franchement, on est pas mal. J'ai fait mes déremplacements, là. Hop, Kato Fonfon, bah, Oudin. Ah, mon dieu, tête de mort est un... Penalty! Le deuxième de la rencontre, 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 le deuxième de la rencontre. Alors là, on va faire frapper. Ouais, si, on va faire. On fait pas la même que tout à l'heure, ok? Ah, désolé les gars. Désolé les gars. Oula. Voilà, désolé pour ce petit incident. Mamie, voilà, allez. Pam 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 pam. Oh, peut-être un troisième là. Allez, bam, Yudin. Yudin
Unicef de la mid là, il va faire la petite transversale. Pour Grajan Kay. Qui va transmettre à Rimudin. Qui va venir la transmettre. Ah, qui était au foufoule. Qui va venir frapper. Et le 3-1. Belek était au foufoule. Qu'est-ce que vous avez dit, les gens? Ça arrive. Oui. Regardez-moi ce but. Regardez-moi la frappe. Chili-li-li-li-li-li. Qu'était au fond fond. Qu'était haut. Qu'était au fond fondisation. Pa 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 la 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 la. Everybody loves Saturday night. Everybody loves Saturday night. Everybody loves Saturday night. D'accord, faut que j'apprenne à chanter. Sur cette chanson, en tout cas. Je fais partie de la forêt. Et oui, mais après, des fois, je m'amuse un peu à chanter n'importe comment. Juste pour le plaisir. Allez, on retente les gars. Allez les gens. Masse pouce bleu. Je veux en commenter plein de allez. Allez. On y croit. Faut y croire les gars. La frappe. Je suis dégoûté. Il y a eu quoi? Ah, il m'a fait une faute. Shit. Boum. Merci. Oh, encore une fausse. Encore une. C'était pas pour moi. C'était pour eux. Non. C'est grâce à un penalty. J'ai eu deux penalties. J'en ai raté un. J'en ai pas cadré un sur les deux. Oh la faute, Hein? Elle est pour eux. Et oui, puis quoi encore, hein, ma mère. Hein, mon petit. Oh. On fait quoi? On retente. Allez, on retente. Une dernière fois. Si celle-là ne rentre pas. Oups. Oh. Oh non. Oh là 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 là, la chance que j'ai. J'ai que de la chance. Bon, là, on va la tenter une toute dernière fois. Si je me prends un deuxième but, c'est pas grave, mais on l'aura tenté. On l'aura tenté. Il la cadre pas. Oh là là, eh, on va tenter là. Peut-être on n'aura pas le temps parce que c'est, on est déjà dans le temps additionnel là. Peut-être il va nous laisser. Mais non. Ne frappe pas, Guignol. Et ouais, merci. Papa, c'est la fin du match. Papa. Et c'est ça. Le penalty raté. Ah, j'étais choqué. On va revoir ça. Le petit penalty là, on va le revoir. Regardez comment il va s'élancer. On peut pas zoomer, ça qui est dommage. Oh là là. Et là il a la pression, mais là il le rate. J'étais grave mec. Continuez. On peut rejouer le match, hein, vous savez. Ah non. C'est la fin de cette vidéo les gens. Up.
tout en comme Fibox.